Nadim Bouizoul, j'ai un groupe qui s'appelle Labès. Labès qui veut dire tranquille en arabe, donc arabe dialectal africain du Nord. Et donc on est ici pour l'Atlantique Music Expo pour présenter un peu ce qu'on fait. On va jouer en formation réduite, donc on va être en quartet. Labès existe depuis 12 ans maintenant, 12 ans, mais par contre en fait j'ai eu la première formation, je l'ai montée au Québec. Donc avec qui j'ai fait deux albums là-bas à Montréal. Et puis je suis voyageur, donc je bouge pas mal tout ça. Et puis voilà quoi. Donc, là-bas, c'est vraiment une aventure musicale. Donc qui a vu passer vachement de musiciens et des très très bons musiciens. Quoi. Donc voilà, cette formation-là actuelle, elle est basée en France depuis deux ans. Je venais d'arriver au Québec, donc après la décennie noire en Algérie. Et puis quand je suis arrivé là-bas, en fait, c'est ça, c'est que les artistes algériens qui étaient là-bas, sur place, ne parlaient pas de la même réalité, donc pas de ma réalité en tout cas, parce qu'eux, ils sont arrivés avant, tout ça. Donc il n'y avait pas quelqu'un qui parlait un peu de cette tranche d'âge, de cette génération, de cette situation qu'on a vécue. Et donc, sans prétention, j'ai commencé à écrire un peu pour me représenter au début, et finalement, il s'avère que les gens ils s'identifient un peu là-dedans et que ça commence à devenir un peu connu, quoi. Alors je chante en arabe, donc c'est de l'arabe dialectal encore, Afrique du Nord, je chante en français, je chante en espagnol aussi. Ça parle d'amour, ça parle d'exil, ça parle justement de terrorisme aussi, de ce qu'on a vécu en Algérie. Et en fait après c'est à une échelle un peu, à une échelle mondiale on va dire, parce que quand je suis arrivé au Québec j'ai remarqué, en fait on a l'impression qu'on est seul à avoir vécu ça. Mais en arrivant au Québec, j'ai eu la chance de rencontrer d'autres personnes qui ont vécu la même situation, que ce soit en Haïti ou de Bosnie ou bien de plusieurs pays, quoi. Et donc voilà, ça parle un peu de tout ça. Le Québec, donc c'est une super terre d'accueil, super ouvert d'esprit. Pour démarrer un projet, c'est génial. Mais après, on n'est pas nombreux au Québec. Donc c'est petit quand même pour la musique du monde et tout. C'est quand même... Au Québec, on est 7 millions, alors que juste à Paris, avec les banlieues, il y a 13 millions d'habitants, quoi. Donc voilà, ça manquait. C'était un peu le cercle de musique du monde. Il est très restreint au Québec. Donc ça se passe dans 2-3 cafés et bars. Et puis bon, les festivals l'été. Mais sinon, on n'a pas de statut d'artiste. On n'a pas d'intermittence, comme en France et tout ça. Il y a quelques subventions, mais... Et voilà, donc c'est pour élargir un peu le public, pour rencontrer d'autres gens, voilà quoi. Là, on vient de rentrer du Maroc. On a fait deux fois le Maroc, donc on est parti à Tanger. Avant, on était en Tunisie. Là, c'est le Cap-Vert. Là, je rentre à Montréal. Après, je m'en vais en Colombie encore. Et après, Angleterre, plein de pays. Donc ça tourne quand même, ouais, ça va. C'est bien. Et là, je viens de sortir donc mon troisième disque. C'est un double album en France, depuis un an à peu près. Voilà, donc on va continuer à tourner un peu avec tout ça. Et puis, dans les projets futurs, donc j'ai vécu un an en Colombie cette année. Et j'ai monté un groupe aussi là-bas, de 12 musiciens cubains et colombiens. C'est des très très bons musiciens. Et donc je vais essayer de... En fait, c'est en cours là, de fusionner la musique chabi, donc qui est traditionnelle algérois et algérien, avec du flamenco et de la cumbia. Cumbia, bayanato, tout ça. C'est pour ça que je vais là-bas pour le mois de mai pour tourner avec eux tout ça. Alors ça va être toujours Labès parce que voilà, donc c'est mon nom de scène et tout. Et donc ça va s'appeler, ce projet-là, il va s'appeler Labès y la banda de Barranquilla. En fait c'est le nord de la Colombie, c'est les Caraïbes et puis les musiciens là-bas, c'est un mélange extraordinaire. Donc Labès y la banda de Barranquilla.
Et ça, ce qui m'a fasciné, moi, c'est que c'est vraiment, j'ai retrouvé l'Afrique, en fait, et les Colombiens, ils sont super fiers, justement, de leur racine africaine, quoi. Donc, et puis c'est très varié. Bah, déjà, il y a donc tous les rythmes africains, tout ça. Puis après, ils excellent dans les cuivres, c'est extraordinaire. Et puis tout ce qui est latin jazz et tout. Donc, c'est vraiment inspirant, c'est vraiment inspirant. Sashiati Bambara Tijani Nanayo Sashiati Bambara.